Eh bien bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour un nouveau disque dur de Scander. Alors c'est un disque dur Samsung, dans ce type de boîtier. Le disque dur a été ouvert par la personne. Et il m'a demandé voir si je pouvais regarder un petit peu ce qu'il en était. Donc, on va déjà commencer par rien trouvé d'anormal dessus. Il a réussi à récupérer quelques données et après plus rien. Donc, ce qui laisserait à penser que la tube de lecture n'a rien. Sinon, elle n'aurait pas pu récupérer des données et que ce serait plutôt un problème matériel. Donc là, on se retrouve avec une carte, en fait, où la carte PCB, le port USB est intégré dessus. C'est pas comme les autres cartes où vous avez alors si je retrouve par exemple autre type de carte où on va avoir un connecteur additionnel qui va venir se greffer dessus. Là, non, tout est intégré sur la même carte. On va contrôler par microscope si on trouve des anomalies. Là, la recherche pour l'instant, on va voir s'il n'y a pas un impact de surtension, un composant qui a commencé à chauffer. Contrôle des connecteurs, voir aussi. Là, on voit qu'il y a une oxydation. Je ne sais pas si on va bien voir. Baisser un peu la lumière. Voilà.
carte. On voit qu'à gauche, là, les connecteurs sont brillants. Là, on commence à voir un petit peu d'oxydation sur les derniers connecteurs. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact, hein. C'est une petite observation comme ça. On va mettre un peu plus de lumière. Oh, c'est mal foutu là. Gestion de la lumière sur le microscope. Oxydation. Là, on a un état de surface.
qui laisserait à penser que il y a une surchauffe. Ça tombe bien. J'en ai un autre. Non, j'en ai pas d'autre d'ouvert. Donc, alors, on va essayer de regarder. Déjà petite comparaison pour voir entre donc j'ai déjà noté donc celui-ci malade. Alors, on est sur la différence entre les deux. Donc ici sur le malade M8U en révision 0,1 et l'autre
plaisir 07. Comme c'est une on a quand même une différence au niveau du circuit intégré. La disposition des composants n'est pas le même. C'est dingue. Hein. Mais bon, celui-là, il a un état de surface. Pas très joli. Par contre, au niveau des références, là on en voit quelque chose. Là il n'y a que dalle. Alors, ce qui veut dire que la carte d'honneur peut ne pas fonctionner du fait que elle ait une légère différence. Putain, c'est pas facile, on n'arrive pas à voir. G25M20. Ce qui est étrange, c'est que elle est dans ce sens-là, la lecture. Mais dans le composant, il faut placer de la même manière. Il se peut qu'on ait des différences bon, apparemment l'histoire de c'était de ce côté là je crois.
apparemment on n'est pas sur quelque chose d'anormal au niveau au niveau composant, au niveau chauffe. Donc à l'aide d'une petite gomme abrasif, déjà. Alors, voilà ça. Je vais quand même ouvrir. Oui. Maintenant, je me pose. Bon. Alors, je vais quand même l'ouvrir pour faire une levée de doute. Le nid avait été ouvert, donc.
quand on vous dit de faire attention quand vous l'ouvrez, c'est que là, par exemple, on peut constater, prendre ça avec le microscope, belle pétouille, voilà, oui. Et de la poussière qui est rentrée dedans. Quelque chose dessus, là, je ne sais pas ce que c'est, là, on revient là. Ça, ça y était avant de l'ouvrir. Remarquez quand même que sur, là par exemple sur le bord du disque, là ici, on a quelque chose. Logiquement, normalement, ça me semble quand même près du bord. Je pense pas que on ait de zone d'écriture à ce niveau-là. Je ne vois rien d'autre d'anormal. Tête semble, les têtes semblent correctes. Donc là c'est une double tête, donc ça veut dire qu'il y a deux disques. Là on voit les deux disques. Donc apparemment les têtes. Thank you.
Donc on recommence. Alors là on a à droite on a vu les disques. On va voir si le disque va être reconnu.
Apparemment. Il fait pas de bruit anormal. Pas reconnu. Alors, on va essayer d'enlever celui-ci. Une marque périphérique. Marqué périphérique USB non reconnu. Donc, ce qui laisserait à penser que on ait un souci au niveau du périphérique de la carte PCB. Que le disque par lui-même tourne sans faire de bruit. Alors regarde, il fait pas de bruit anormal, mais il n'y a rien. Il est branché sur l'ordinateur qui n'a pas de port USB 2. Ça pourrait jouer. À la seule différence, c'est que l'autre disque, le donneur, celui-ci, il est en USB 2 et fonctionne bien sur le USB 1. Il s'affiche à l'écran. Le tout est de savoir maintenant pourquoi il me dit par USB 2. Le port USB n'est pas reconnu lorsque je branche le disque dur dessus. Entend bien quand même un
Ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas l'entendre. Comment vous expliquer ça? En fait, il faudrait que je puisse mettre un amplificateur dessus. Parce que le disque, lorsqu'on le branche, là je viens de le brancher sur un autre port USB 1. Et en fait, on a comme une montée en puissance, c'est-à-dire qu'on entend le moteur, il y a un petit bip, enfin un petit clic qui se produit à un moment donné. Et on a comme une montée en puissance du disque dur, du disque, du moteur. Et on croirait qu'il n'arrive pas à la bonne vitesse parce que ça redescend et ça remonte. Et ainsi de suite. J'ai pas fait attention à ça. Si je le branche sur le... Là, il met périphérique non reconnu. J'essaye de voir au niveau de la température. Pause. Faut que je trouve. Je vais prendre un autre ordinateur avec port USB 2. Voici sa modification. Bon, alors on se retrouve maintenant. J'ai pris un autre ordinateur où il y a le port des ports USB 2. Dessus, il y a son petit frère pour recevoir les données qui est dessus, qui est bien reconnu. Et le deuxième. Mais que dalle est l'écran. On va le laisser. Hein. L'ordinateur n'est pas très rapide, donc on va lui laisser le temps de ça clignote toujours.
mal. Mais il n'apparaît toujours pas sur le bureau et il clignote tout le temps. Ah ah. De chargement qui charge mais que dalle. C'est un LM05 aussi. C'est bizarre, cette référence-là, ça me dit quelque chose déjà. ST. LM025. Bon, là, ça clignote toujours. Il n'y a rien qui s'affiche au bureau. Après, on peut voir pour intervertir les deux cartes PCB. Le souci, c'est que comme elles ne sont pas identiques, il risque d'y avoir peut-être un petit problème.
ça pour l'instant. Alors. Alors, l'essai n'est pas vraiment très concluant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les observations qu'on peut tirer de ça? D'une part, c'est que j'ai exactement les deux mêmes disques, sauf la carte PCB qui est différente, mais sinon c'est le même modèle, et ainsi de suite. Donc, un qui est reconnu et l'autre ne l'est pas. Il s'allume, il clignote, mais il n'y a rien qui s'affiche. Et quand je le branche sur l'autre ordinateur en USB 1, j'ai une information où le port USB est soi-disant n'est pas reconnu. Bon, ça, c'est déjà une chose. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on a sur les disques un BIOS, une gestion du disque dur. Le souci, c'est que la personne avait réussi à lire quelques données et les avait sauvegardées sur le deuxième. Bon. Ce qui veut dire que celui-ci n'est pas vierge et que la table de location a été enregistrée sur le nouveau disque, enfin sa propre table, avec des données dessus. Si je prends cette carte et que je le mets sur le disque malade, ce qui risque de se produire, c'est que les informations qui sont sur le nouveau disque, le disque sain, donneur, risquent d'interférer avec le disque malade. Et ne pas avoir de lecture du tout non plus. Le problème aussi, c'est que le fait de rebrancher la carte PCB sur le disque malade, c'est que le logiciel à l'intérieur vienne corrompre le BIOS et la table de location. Ce qui fait que quand je vais remettre la carte PCB sur le disque donneur, ben que je n'ai plus les informations qui avaient été sauvegardées. Donc, comme j'ai un doute, soit avant l'opération, il faut que je resauvegarde les données qui avaient été récupérées sur le donneur. Autre part, avant de faire la manip. Parce que, auquel cas, si on ne pouvait pas récupérer les données du malade, bah, il aurait déjà au moins récupéré une partie, puisqu'il avait eu la main dessus. Après, que dire du disque? C'est pas évident, parce que... Là, on est sur quelque chose qui n'est pas logique. Je serais tenté de dire que il faudrait se rapprocher vraiment du même modèle. Parce que quand je regarde, par exemple, même les références du moteur sur les disques, ce ne sont pas les mêmes. Le risque, c'est qu'il y ait quand même quelques temps de décalage
et que la gestion ne soit pas identique. Parce que là, franchement, quand je regarde le circuit imprimé, c'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. J'ai peur qu'on soit vraiment très très loin de... la solution. Mais par contre... le disque... Parce que il me semble que j'avais un disque à peu près identique. Bon. Nada. Alors, il n'en reste pas moins, c'est que bon, lors de l'ouverture, hein, je répéterai jamais assez d'être vraiment très 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 vigilant. C'est que si on s'y connaît pas, un minimum. On ne tente pas parce que de là à laisser des traces. Parce que tout à l'heure j'avais une trace noire sur le disque dur et je me demande, lorsqu'on regarde par exemple la tranche du disque dur, on s'aperçoit c'est que on a des pétouilles. Vous voyez ? Là, ça a été forcé avec un tournevis, pensant vouloir le déboîter. De l'autre côté, pareil. Et ce qui fait qu'il y a des traces de peinture noire du boîtier qui se sont décollées. Je me demande s'il n'y en avait pas un bout, si c'était pas ça que j'ai retrouvé tout à l'heure sur la surface du disque dur. Et le risque de faire ça, c'est que si vous soulevez le disque non, celui-là, c'est pas la peine. Voilà. Donc, hein, quand on regarde bien. Bien allez. On voit bien les pétouilles. Hein, ça c'est. On a essayé de forcer, de soulever. Hein. Le problème, c'est que ça risque de laisser passer des poussières. D'une part déjà
quand je passe le doigt, s'accroche. Ça veut dire que déjà, il y a de la poussière qui était... il y a de la peinture. Et des petites particules ont été décrochées. Et obligatoirement, lorsque vous l'ouvrez, ça se retrouve à l'intérieur. Ça, c'est pas bueno. Il faut savoir, c'est que normalement, on ne doit jamais forcer. Ils n'ont pas monté le disque dur avec des marteaux en force. Donc, il faut réfléchir et vraiment y aller doucement afin d'éviter ces erreurs-là. Parce que franchement, là, il y a... Là, ça accroche. Hein. Là, là, ça fait un peu bourrin. Hein. Non, je veux bien qu'on me dise la salle blanche, patati, patata, mais... Là, c'est un peu extrémiste. Hein. Bon. Mais il n'en reste pas moins, c'est que de manière, le disque, lorsqu'on le branche, il ne fait pas de bruit. La tête, apparemment, les têtes ont l'air d'être correctes. Reste que c'est uniquement un souci. Pour moi, je pense que c'est certainement un souci de carte PCB. Mais j'aimerais pouvoir remplacer ça par le même modèle. Bon, ben, je vais appeler la personne. Donc là, celui-là, c'est un 2013 déjà. Et celui-là, c'était un quoi ? 2014, bon, ils sont pas très vieux en soi. On n'est pas très loin au niveau mon nomenclature. On a à peu près les mêmes infos. Ah. Là, j'ai une référence qui change. Momentus-C et là je suis Momentus-B. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est l'histoire des cartes électroniques. Quand on regarde bien, on est vraiment différent. On est sur la même référence, mais on est différent. Donc logiquement, dans ces quatre figures-là, hein, il faudrait c'est pratiquement trouver le même disque dur. L'idéal, pour être clair, le même jour de fabrication, hein, c'est la même chaîne. Hein. Quand on dit se rapprocher au maximum de l'original, c'est ça, c'est lors de la fabrication, que ça soit le même modèle. Parce que dès lors qu'on va changer, soit intervenir sur la carte PCB, sur les moteurs ou autres, bah, obligatoirement on va créer des variantes. Et ces variantes risquent d'amener une incompatibilité dans l'inter-échange des composants, que ce soit aussi bien de la carte PCB, du moteur, et aussi de la tête de lecture. Bon, il faut jouer avec son propriétaire pour savoir exactement ce qu'on va faire avec ça. Ok, on se retrouve une prochaine fois pour soit la suite
de ce disque dur, ou alors pour autre chose. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Au revoir.